Bonjour à tous, c'est Lolo Dil. Donc nous sommes le vendredi 14 mai. Voilà, donc mais aujourd'hui c'est randonnée. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils annoncent un temps pourri demain. Un temps pourri samedi et dimanche, et qu'aujourd'hui donc on a eu la possibilité d'y aller. Donc nous sommes donc dans le Lot, dans notre département, donc à 35 km à peu près de chez nous. Sur la commune de Salviac. Là, ça fait 2,5 km qu'on est parti. Oui. Parce que bon, en principe, quand on sort des petits villages comme ça, on fait de la, de la petite route avant d'attaquer les chemins. Moi, je vais y arriver. Voilà. Donc, pour la topographie, donc 14,5 km, donc il nous en reste 12. 340 mètres de dénivelé, voilà, je pense qu'on en a fait une partie là. Oui, je pense. Parce que sur les 2,5 km, il y avait un bon rampaillou, voilà. Le temps, eh bien, on a pris une averse, il a fallu que je mette la veste de pluie, je viens de redébâcher parce que là, il y a une éclaircie, voilà, donc je pense que ça va être ça un peu... Le circuit va être toboggan. Mais je pense que ça va être, je mets la veste, je l'enlève la veste, je mets la veste, j'enlève la veste. Moi je ne l'enlève pas, comme ça j'aurais pas l'enlever. Ça va être ça, oui, mais bon, on n'a pas une même température corporelle tous les deux. Moi je suis, Elle est chaud. Voilà. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Non, non, mais j'ai le sang qui, le flux chaud. Du sang qui est très, beaucoup de pression, et donc moi j'ai tout le temps chaud, donc... En principe, je commence à mettre un bermuda au mois de mars et j'en ai jusqu'au mois de novembre. Et je mets vraiment les pantalons, soit pour le travail ou pour cérémonie ou autre chose. Mais sinon, les pantalons, on oublie, c'est bermuda. Voilà. Bon, après, on s'en fout. Tout à fait. On s'en fout de ma vie. Donc voilà. Donc voilà la topographie. Bah, écoutez, on va espérer que ça... Normalement, ils n'annoncent pas de la pluie avant cet après-midi. Donc, bon, je pense qu'on sur le coup de 3 heures, on devrait être revenu. Voilà, faire 2-3 photos. Donc, qui dit Salviac, donc le toponyme donc, de Salviac, en fait, vient de Salvius, qui était un Romain. Et donc, Ac, comme vous savez, c'est le domaine de. Donc, Salviac, c'était le domaine de Salvius. Voilà, vous avez tout. Après, il est... Il est donc sur le chemin de Compostelle, la Via Podensis, mais par le chemin de Rocamadour. Voilà. Vous savez tout. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, quand on rentrera dans le village. On montrera l'église de Saint-Jacques et tout. Enfin, je vous ferai un petit topo là-dessus. Oui, bien sympathique. Voilà. Donc, on continue. Allez, bisous. À tout à l'heure. Ciao.
pas leur faire le coup à chaque fois. Hein, qu'est-ce que tu dis? Pardon. En bas. Les dingues. Regarde où j'ai les pieds. Coucou. Alors, nous arrivons de par en bas. Et nous allons par là. Il est 1h. Donc nous avons fait 9,4 km. Logiquement, il devrait nous en rester 5. Donc c'est l'heure du casse-croûte. Voilà, donc c'est un vrai toboggan. Par contre, très jolie randonnée. On change de décor, un coup on passe sous les sapins, un coup sous les chênes, un coup, ça fait magnifique. Impeccable, nature, pas... on a croisé une personne en voiture, je crois. Et c'est tout, depuis le début. Donc voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, elle est aux abris. Elle se cache sous la capuche. C'est le petit chaperon violet. Et voilà. Donc eh bien, écoutez, on a trouvé un petit mur. Pour casser la croûte aujourd'hui, c'est sandwich, parce qu'on s'est décidé un peu au dernier moment, car ils annoncent un enfin, week-end de la Toussaint, pas la Toussaint, de l'Ascension, pas terrible. Donc un coup pluie, un coup soleil, un coup voilà quoi. Donc vous voyez un peu le décor. Voilà, on va monter un peu par là-bas, repartir sous ces bois. Et voilà. Donc honnêtement, ouais, là, on change de décor, c'est bien, on est revenu dans notre lot, hein. On ne peut pas faire des randonnées grandioses comme dans les gorges du Tarn toutes les semaines. Mais c'est des super randonnées, quoi. Nickel. On a juste pris une petite averse. Ouais. Et voilà. Donc, ben, vous le reconnaissez, hein, le fameux cake à Lolo. Ouais. Et aujourd'hui, c'est sandwich, alors c'est pas des... Enfin, c'est... Les poches et les baguettes, mais c'est jambon fromage. Mm. Brie pour madame, chèvre pour moi. Ah, et oui, voilà. Faut que je regarde lequel. Ah oui, il faut que tu regardes. D'accord. Madame n'aime pas le chèvre. C'est pas que j'aime pas. Ou alors chaud. Celui qui aime pas trop. Donc voilà. Donc impeccable, on passe de champ, petit muret en pierre sèche avec de la mousse. C'est nickel. Ah, tu vois, j'ai pris le bon d'un coup. Voilà, ben, elle est contente, elle a son sandwich. Ok, bon, mais on vous dit à tout à l'heure. Allez, bisous. Salviac, donc dit Jacques Zébédé, qui est du 13e siècle, donc le fameux Saint Jacques, apôtre de Jésus, qui a été donc tué dans sa relique, est à Saint Jacques de Compostelle, et c'est pour ça que de nombreux gens, et nous bientôt, l'année prochaine, ou dans deux ans, nous allons faire, enfin, nous allons commencer une partie. Parce qu'on ne va pas le faire, on n'a pas le temps, en 3 mois de le faire. Ah ouais, non, il faut trop de temps. Mais on va le faire, on va le faire en plusieurs tronçons. Voilà. Oh, nous voilà. Voilà. Donc vous voyez derrière nous, Saint-Jacques de Compostelle, 1190 km. Donc bon, là, on n'a pas le temps aujourd'hui.
d'y aller. Mais c'est prévu, c'est prévu. Honnêtement, c'est prévu. On devrait faire le Puy-en-Velay, Cahors, Cahors. Je dis pas de bêtises. Saint-Jean-Pied-de-Port et ensuite la partie par le Camiño del Norte, c'est-à-dire le long de la côte. Voilà. Donc pour ce qui est de la randonnée d'aujourd'hui, nature, Cazelles et tout, donc vous allez voir par les photos. Donc ben, terminé. Donc on a fait 15 km 4 en. En 3 heures des brouettes, je sais plus. Des super parcours qui peut se faire familialement. Je crois qu'on a fait 400 et quelques mètres de dénivelé. Donc ça peut se faire. Donc c'est un programme. Ça Ah monte en ouais, descend, monte en descend, on monte en monte, descend. ouais, on a fait que ça. Donc c'est à voir, Mais c'est à c'était faire. Ça sympa. se fait en famille, sans problème. Il faut prendre Ouais. le temps de le faire. Et puis Des voilà jolis quoi. petits chemins. Ouais, franchement, ouais. Impeccable. Super bien entretenu et tout. Donc voilà. Donc super randonnée, impeccable. Donc c'est ainsi que se termine ce vendredi. Et nous allons donc rentrer avant 19h. Forcément. Et donc on vous dit ben, à bientôt la semaine prochaine. Prochaine, on ne sait pas où Donc encore. là, on a, bon, j'en ai deux sous Il y le a des coude. idées, J'en ai mais deux, trois sous le coude. plouf Voilà. Donc il y a 14, 14 et l'autre, je ne sais plus combien il fait. plouf. Ouais. Bon, on va pas faire les trois, mais on en fera en soit Ouais, une. non, ça va Et être un après, ben, peu. ça va dépendre du temps, bien sûr. Ouais. Ou samedi ou dimanche, voilà. Donc, vous le verrez. Et puis, je ferai une petite vidéo sur mon matériel dans la semaine. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à parler de nous. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à dire. Donc, on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve donc. Le soleil. La semaine prochaine, donc on ne sait pas, vendredi, samedi ou dimanche, on verra bien suivant On le verra. temps, parce que le temps est très très aléatoire Ah ouais, en ce pour moment. moi. Et bon courage à ceux qui ont commencé le chemin de Compostelle la semaine dernière, parce que Ils n'ont pas eu beau temps, ils prennent de la pluie tous les jours, hein. donc voilà. Ah mais gâteau, on aurait eu du soleil aujourd'hui. Voilà, oui, on a la chance, ça foufle, mais on a eu du Ouais. soleil. On a eu de Allez, l'eau aussi, donc mais bon. je vous ferai une petite vidéo matérielle. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, comment peindre les plats que j'ai fait la semaine d'avant, il y a 15 jours. Et on vous dit à bientôt. Allez, À bisous, plus, à ciao. bientôt, ciao!